Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Dead Space, il s'agit d'un survival horror dans l'espace. Sachez que si vous êtes intéressé par le jeu, je vous mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo, et j'en profite également pour remercier Electronic Arts de sponsoriser cette vidéo. Ok, ça commence déjà plutôt pas mal. Un crash directement. Tout est explosé dans la station. Notre vaisseau aussi, tout va bien. Pas top comme début pour une mission de réparation. Ouais, bah c'est ce que je disais. Procédure standard, Daniels. Nous les enregistrerons à la salle d'embarquement. Et moi? Ohé! Ils sont où tous? La moitié du vaisseau a dû entendre l'atterrissage. Elle est où mon arme à moi? Bravo, Chen. Vous nous avez amenés ici en un seul morceau. C'est pas ce que doit penser Johnston. Mais si tu proposes de payer la première tournée... Je serais pas contre un petit remontant. Surtout si c'est la CEC qui paie. Vous avez vu quelqu'un à la salle de contrôle? Non, personne. Et moi je serais pas contre une arme à feu, mais bon... C'est pas notre rôle, c'est vrai. Je pense que ça va vite le devenir, mais bon. Autant se connecter. Récupérez les modules de télékinésie et de stase auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation. Erreur. Employé non trouvé. Ouais. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Pas bon signe ça. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication? Ok, faut faire quoi? Je peux y aller? Là, c'est un petit peu sombre. Pour l'amour de Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Ok. C'est où? C'est ici? Il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je m'en occupe. C'est quoi cette console là? Oh, bordel, c'est ok, bon, tout est dans le rouge, mais tout va bien. Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde. Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié des Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trams. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface? Bah, je pense qu'on va pas tarder à le savoir. Hein. Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Ah, attendez, parce que moi j'ai pas d'armes les gars, et je suis tout seul. Encore un problème? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez, vous avez entendu? Ouais, je l'entends. En gros, je suis déconnecté d'eux là, je pense. Tout le monde se calme. Daniels, réactivez ces ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Là-haut! Ah! Mon Dieu! Ah, techniquement, ça veut dire qu'il y a une arme par terre là. Je peux la récupérer? Ah! Ok, bon bah moi j'y vais apparemment. Eh, à bientôt les gars! Hein. Oula! Ah oui, d'accord, oui, à bientôt, oui, effectivement. Ok! Au secours. Je savais bien qu'il me fallait une arme. Il voit pas grand chose en plus, c'est où je dois aller là? C'est là-dedans? Au secours! Utilisez vite! On y va! Non! Ok. Alors, au risque de me répéter, j'aimerais vraiment récupérer une arme. Bon, en tout cas, le départ est sympa. J'aime bien l'ambiance. Du loot, ça, non? Peut-être pas pour l'instant. Ok. Est-ce que c'est une arme ou est-ce que c'est juste pour ouvrir des passages ou quoi, ça? Donc c'est un cutter plasma.
Membre de l'équipage sanglot. Au cas où on n'entendrait pas derrière, vous savez. On va voir. Tac. Je peux toujours pas ouvrir ça? Ah, ça y est, je peux ouvrir. Pas sûr de vouloir aller vers là, mais ok. Ok, on va rotasser ça. On va finir par terre sans qu'il touche. Voilà. En gros, les mobs dans ce jeu, dites-vous que c'est pas la tête qu'il faut viser. Il faut viser les membres pour les démembrer, justement, pour les ralentir, les faire tomber ou quoi. Donc, de préférence, les jambes. C'est pour ça que j'ai rotasse ça. Et lorsqu'on les termine au sol, comme ça, on a des chances de récupérer des munitions. Voilà, donc pour ceux qui ne seraient pas trop à l'aise avec ce jeu-là, qui ne connaîtraient pas de base, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Un peu en mode bourrin. Oula. J'ai vraiment cru qu'il y en avait un autre qui est sorti de là. Ok, par contre, la lumière, c'est juste mon arme qui peut en produire, j'ai l'impression. Donc ça, ça va pas être très rassurant. Enfin, j'avoue que l'ambiance est vraiment pas mauvaise. Et le fait que les créatures, on puisse pas les one-shot dans la tête ou quoi, j'avoue que c'est d'autant plus flippant, justement. Alors... Hop, X, ça m'indique vers où je dois aller, donc c'est par ici. C'est quoi, c'est du loot? Non, c'est pas du loot, ça. Demande de sécurité retrouvée. Il est pas mort! On lui a tiré une balle en pleine tête et il est pas mort, cet enfoiré! Et là, il y a des soins. Les jambes. Par pitié, envoyez de l'aide! Lui, il donne rien de plus. C'est un peu gore, hein, mais... C'est système de loot, hein. Après, il y a d'autres endroits où on va pouvoir looter aussi, de toute façon. Il n'y aura pas que les cadavres, bien sûr. Il va y avoir des caisses de loot et tout ça aussi. Ok, tout qui se réactive. Ah, Isaac. Oh. Oh mon dieu, Isaac. Ça m'a fait peur, ce bruit. Bordel. C'est juste eux. Ils sont partout. Jen, il est... Il est mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs? Parmi ceux que j'ai vus, certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible, le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Ah, voilà un petit peu de loot. Vous êtes tous les deux des techniciens, alors comment on fait? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac? Oui? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça? Oui, oui, je pense qu'elle va bien, vraiment. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. Je vois vraiment pas pourquoi elle irait mal, hein. Très clairement. Ok, bon, réparer le tram, très bien, j'attends de voir parce que là... Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait du loot ici. Là, j'ai un poste de sauvegarde, normalement, qui va pas tarder, voilà. On va en profiter. On va save. Hop, emplacement vide. Sauvegarder. Yes. Voilà. Comme ça, au cas où, ça c'est fait. Ensuite, où je dois aller? Il y a deux endroits où je peux aller. On va suivre directement la quête, donc ce serait plutôt par là. Ok. Il y a un mec qui s'est fait découper, je crois, par la porte. Ok. T'es pas un méchant, toi. En tout cas, tu vas pas te relever. Ça se loot, ça, ou pas? Non. Ok, il y a vraiment des bruits peu rassurants dans le coin. Module de stase. C'est l'un des modules qu'on devait récupérer justement au début. Ok. Et en gros, notre charge de stase, vous voyez, dans le dos, on a notre barre de vie, vraiment au niveau de la colonne vertébrale. Et à droite, c'est la charge de stase. Donc là, hop, si je tire là-dessus, ça va ralentir. Que ce soit les objets ou les mobs. Et ça me permet de passer. Et après, ce genre d'endroit, c'est les endroits où je peux recharger justement la stase. Voilà. Bon, bah là, je pense que c'est bon.
Il y a même un recharge de stase par terre, ok. On a re un poste de sauvegarde. Je trouve que ça arrivait assez vite. Et on a re une... Ok, il y a une recharge ici. Mince, j'aurais peut-être dû sauvegarder en fait avant. Bon, ça va, j'ai sauvegardé il y a pas si longtemps. Ok, je dois aller là-bas, on va y aller. Hein. Il n'y a pas de courant par contre. Hein. Ok, j'ai vraiment cru voir un... Une créature là, derrière le... La paroi là. Ok. Ça, on va looter. Je vais quand même refaire une save, hein, vu qu'elle est là, je me dis... je me dis, bon... C'est pas là pour rien, la sauvegarde. Vas-y. Ça prend 2 secondes. Ça mange pas de pain. Dans ce genre de jeu, je pense qu'on va se faire surprendre, donc... on va quand même faire attention. Ok, donc normalement c'est par là, station du tram. Isaac, ne vous emmerdez pas à leur tirer dans la tête. Ça les ralentit même pas. Ce que je vous ai dit, ça, justement. Le seul moyen, c'est de leur arracher... les bras... et les jambes. Mais ça les tue? Ou est-ce que ça les empêche juste de bouger? Oh, l'un dans l'autre... Ils sont inoffensifs après, hein? Message retrouvé. Benson à l'ingénierie. Vous auriez un module de stase? Il nous en faut un à la maintenance du tram, rapidement. Le chargeur automatique a cramé. Un tram endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué, devinez qui doit s'en charger. Ici Temple, j'envoie un module de stase. C'est quoi avec le chargeur automatique? Aucune idée. Il y a plein de trucs qui se détraquent et... Erreur. J'arrête pas d'entendre du bruit. Dans la machinerie, là où il devrait y avoir personne. Tu vois genre? Je vois. C'est moi le technicien. Il y avait un truc là. Ok, bon, je commence à avoir pas mal de munitions, j'ai l'impression, quand même, avec tout ce que je loot depuis tout à l'heure. Oh, bonjour. Je regarde toujours derrière moi sur ce jeu parce que je me dis qu'un monstre peut en cacher un autre. Et le pire serait de se faire surprendre, très clairement. Il y a eu une erreur là-dessus. On va essayer d'aller faire l'autre. Voyons voir qu'est-ce qu'il me dit. Pince déconnectée, reconnecter manuellement les pinces. Je peux faire l'autre côté peut-être. Il y a encore une créature derrière qui est arrivée. J'ai cru en entendant une de l'autre côté aussi, non? Ouais, exact. Ok, des crédits. On est bon, hein? Y'a pas un truc à récup ici? Non? Ok, donc la pince, on va la reconnecter. Pince gauche connectée. Ok, mais la pince droite, on n'y arrive pas. On a un truc pour les stases. C'est ça, je dois l'envoyer. Le chargeur automatique est grillé, mais la stase devrait faire l'affaire. Je dois l'envoyer comme ça en fait. Ok. Super. Mais très vite, ok. Le son porte en bas. Remplacement du tram endommagé en cours. Veuillez patienter. Ok, il y a un monstre qui arrive là-bas. Je sais pas s'ils sont bien morts. Dans le doute, on finit toujours de cette manière tant qu'il n'y a pas de loot. C'est que c'est pas bon. Ok. Remplacement du tram en cours. Bon, j'avoue que généralement dans les jeux, on aime bien regarder ce qui se passe pendant qu'on fait des choses. Par exemple, là, le tram en train de se remplacer. Mais là, avec les monstres, on est un peu occupé pendant ce temps-là. Ok, il était pas fini. Il y a rien derrière. Ah, il était pas fini encore. J'ai failli prendre un coup pour rien. C'est bon. Ça aurait été dommage. Ce tram bloquait tout le système. Après, j'ai eu un kit de soins à un moment. T'as dit qu'un disque dur était grillé aussi? D'après l'inventaire, il y en aurait un de rechange à la main. Ouais, c'est ça, j'ai un kit de soins, j'ai pas mal de mun pour le moment. J'ai pas mal. Ok. On va aller chercher un disque dur.
Allons-y, c'est par là. J'aime pas trop le long couloir comme ça là. Ah mais c'est là où il y avait la... Ok, non mais il faisait que passer hein. Pas s'en occuper. Ouais non, il n'y a pas la save là. Ouais c'est ça. On va re-sauvegarder. En vrai ça va, pour le moment j'ai pas pris de coup donc c'est ok, mais bon on sait jamais. Voilà. On repart. Alors, c'est par où? C'est par là? Ok. Ok, donc là on revient au niveau de la porte. On avait du stas pour passer. Il va falloir le refaire. Attention. Je vais recharger le module directement. On sait jamais si j'ai besoin de le réutiliser. Je l'ai pas utilisé sur les créatures, mais... c'est vrai que ça pourrait être utile aussi, je me dis. Oh tiens, on se le teste. Ah mais il met du temps à tomber aussi du coup. Oh il crache, je savais pas. Oh, j'ai perdu de la vie mais tellement pour rien. Bah voilà, je voulais m'amuser un peu et ben j'ai appris qu'il ne faisait pas que taper. Alors F normalement, ça me remonte la vie. Ok. Bon ça va, j'ai pas trop mal quand même mais... surprenant. Moi, dès que je cassais les jambes, c'était gagné. Hein. Allez, on y retourne. Alors, notre poste de sauvegarde ici. Ça fait beaucoup, mais bon, à chaque fois que j'en vois un, je le fais comme ça. Mais qui s'arrête jamais. Alors, je me dis que si je meurs, je serais quand même bien content de reprendre vraiment proche. Ok, par contre, c'était de ce côté. Ok, oh. Il y avait des munitions ici. Ouais, ça c'est ce que je faisais déjà, merci. Merci pour l'info. Il me fait peur lui. J'étais en train de plus ou moins de lire ce qu'il me mettait à côté et j'étais pas prêt là. Ok, c'est reparti. Bon, j'avoue que là, les saves, il y en a vraiment beaucoup. C'est bon, quoi. Marc, vu la salle. Vu la salle, je vais peut-être regretter. Ok. Ça, c'est plutôt efficace. Par contre, il y a beaucoup d'explosifs. Ah, et bizarrement, il n'y en a pas à côté de lui, quoi. Il y a beaucoup d'explosifs. Il y a beaucoup de bruit. À mon avis, on va se taper pas mal de monstres dans cette salle. Ok, faut que je passe par là, ça tombe bien. Je voulais aller voir s'il m'a pas looté quelque chose. J'aimerais bien looter des soins. Il doit y avoir des... Ah bah tiens, kit de soins moyen. Il y a qu'à demander en fait. Il y a qu'à demander. Kit de soins moyen, je vais pas l'utiliser maintenant parce que... Il manque pas beaucoup de PV. Ah, un peu trop loin. On va le faire se rapprocher d'ici, mais je vais m'éloigner un peu, moi. Boum. Ok. Le disque dur. Je vois un truc là-bas. Je pense que c'est cette pièce, non? Pardon, cette touche là. Ok, y a pas de courant. Là, ça va devenir chiant, les gars. Là. Lâchez-moi au moment. Je me mets à un endroit où il y a un peu de lumière. Oh. Ah, y a vraiment des bruits d'ambiance en plus qui nous font bien flipper. Comme ça, on n'est pas sûr de s'il y a vraiment un monstre qui arrive ou pas. Et j'aurais bien aimé un autre truc de soin, mais un petit. Côté sympa.
Alors, concrètement... Là, il y a pas mal de loot. Ok. Là-bas où j'étais, on est d'accord, c'est bloqué. J'ai laissé un... Attendez, j'étais pas là en bas avant. Je crois que j'ai laissé un truc. Ok, alors par contre... Ouais, lui il m'indique à droite directement. Mais le courant, c'est où que je le mets? Faut que je suive ce câble. Faut que je suive ce câble. Tac, tac, tac. Ça revient vers là-bas en fait. Ah ouais, il y a un truc bleu là-haut. Par contre, si c'est en haut, il faut quand même que je remonte. Ah, ça a l'air d'être là-bas. Comment je monte? Mais attendez, parce qu'en bas aussi, j'avais pas tout looté. C'est ici là que j'ai vu. Alors. Faut peut-être que je l'appelle ici, je monte à ce niveau-là. Ouais, c'est bon, il me faut monter, donc ça a l'air d'être bon. Ça m'amène bien vers le câble rouge qu'on a vu, ça va être comme tout à l'heure, je pense. Il y avait les fusibles à changer de manière à avoir le... l'alimentation du côté qui nous intéresse. C'est ça, c'est là-bas. Ok. On a encore des explosifs là-haut, c'est pas pour rien. Dans le doute, hein. J'ai pas trop confiance. Ouais, voilà. On est jamais trop prudent, les amis. Alors attendez, parce que j'ai vu un truc ici. J'ai vu du loot. Ok. Toi, c'était bon. Toi, t'es bon aussi. Et donc ici... Aïe. Il y a une ventilation ici, il passe souvent par là. Fais attention. Un petit kit de soins. Alors attendez, parce que tout ça aussi, ça s'ouvre. Pas mal de munitions. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Hein. Allez, on y va. Ok, je reviens. Oh, bon, bon, j'avais pas vu. Ok. Faut me faire des frayeurs comme ça, les gars. Ok, j'aimerais bien rallumer la lumière par contre. Je sais pas si j'aurais dû changer l'autre fusible peut-être pour allumer, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait faire. Bon, du coup, là il faut que je redescende, on est d'accord. Tu veux alimenter ça? Ouais. J'ai tellement peur de me faire attendre là à la sortie. Ok, vas-y, reguide-moi vite fait parce que là dans le noir, normalement, t'es pas très loin. Ok, on est bon. Ah, je suis juste à côté en plus, c'est bon. Ok. Mais dis-moi que c'est éclairé là-dedans un petit peu, s'il te plaît. Tu peux fermer ou pas derrière? Ça va se fermer tout seul. Et on a le disque dur. On peut pas rester ici plus longtemps. Ça grouille de partout. Attendez, j'ai le disque dur. Je retourne dans la salle des commandes. Daniel, préparez-vous à y aller. Ok, il y a pas mal de trucs à récup ici, c'est cool. Et il y a un atelier.
Alors, attendez, je vais juste tout looter ici. Ok. Je pense que j'ai tout récupéré. On va y voir mon inventaire, là, un peu. Parce que là, je suis quasi full life. J'ai deux kits de soins, dont un moyen. On a deux trucs pour remonter la stase. Ok. Pas mal de munitions. Donc, l'établi. L'établi, en gros, on va pouvoir améliorer notre tenue et notre arme. Ok, j'ai deux points. Ok, il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs à améliorer. Donc ça, ça va être pour la santé. Ça me paraît bien. Et ça, c'est pour améliorer les dégâts. Ok, ça me paraît pas mal aussi. Et de toute façon, j'ai plus d'autres points. Voilà, au moins on équilibre un petit peu. Un point en santé, un point en dégâts. Normalement, on devrait les détruire un peu plus vite. Ah, et en plus, le fait d'avoir up la santé, est-ce que ça m'a pas heal en même temps? J'ai l'impression que si, hein. Ok. Bon bah les amis, moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête peut-être là-dessus, puisque ça nous fait un peu une salle de checkpoint ici, qui est plus ou moins safe. Remarque qu'il n'y a pas de save, ça aurait été bien d'avoir une petite save. Vous allez voir s'il n'y en a pas une autre à côté. Déjà pour la vidéo, je trouve que on a pas mal avancé. Après effectivement, j'aimerais bien retrouver au moins une save vite fait. On va pas tarder à s'arrêter. J'aimerais bien au moins... Ouais, à la limite une petite save, ça fera le checkpoint vraiment. Il y a encore la musique flippante. Il n'y a pas d'autres ennemis pourtant. Ok. On continue par là. C'est très peu éclairé. C'est vrai que le fait d'être obligé d'éclairer en plus avec son arme... Oh. C'est vrai que c'est pas évident. Ah bah voilà. Le petit point de sauvegarde qui était tant demandé. On va s'arrêter donc là-dessus les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu à l'heure actuelle. Sachant que pour ma part, c'est vrai que j'avais jamais joué au Dead Space à l'époque. Donc pour moi c'était vraiment une totale découverte. Mais franchement plaisant. Je dois dire que l'immersion, elle est là. Vraiment sympathique pour une découverte. Encore une fois, vous me direz dans les commentaires. Et puis bah, pour ma part, je remercie... une nouvelle fois Electronic Arts d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait plaisir, donc merci à eux et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt les amis.